Une pouponnière flambant neuve. Le lundi 19 janvier, la pouponnière du centre hospitalier du Belvédère a été inaugurée. Vétuste et ancienne, elle vient d'être totalement reconstruite. 1860 mètres carrés de locaux dans un bâtiment de plein pied adossé à l'hôpital. L'accueil au rez-de-chaussée est composé de 6 unités de 7 lits avec des pièces de vie, des salles de jeu et un jardin attenant. Actuellement, 36 enfants sont accueillis. Ce sont des tout-petits âgés de 0 à 3 ans qui sont confiés par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance. Ça peut être une situation comme ça de défaillance parentale pour quelque raison que ce soit des carences éducatives ou de la maltraitance caractérisée. Donc les enfants ont besoin d'une mesure de protection qui est donc prise par le juge des enfants. Quelques enfants sont effectivement nés sous le secret, mais c'est vraiment un petit nombre d'enfants qui sont abandonnés et donc adoptables. 50 personnes, dont 30 auxiliaires puéricultrices, 4 éducateurs ou encore 2 psychologues, travaillent dans cette unité pour prendre en charge les enfants. Les enfants qui arrivent ici, quel que soit leur âge, sont souvent fragilisés, notamment sur le plan du développement psychomoteur. On observe assez facilement des retards de développement psychomoteur ou des troubles du développement psychomoteur. Donc après une période d'observation, où on a aussi un pédiatre qui est là à 50%, qui met en place la réponse aux besoins des enfants en termes de santé, soit des consultations spécialisées, soit effectivement une prise en charge psychologique. Les enfants restent en moyenne 9 mois dans une pouponnière. Ensuite, soit ils repartent dans leur famille, soit ils sont accueillis par une famille d'accueil. Le coût de cette restructuration s'élève à 3 717 000 euros, le département ayant participé à hauteur de 860 000 euros.